Je vais vous montrer comment on fait une omelette toute simplement avec du fromage et de la crème pour que ça soit bien, bien doux à manger. Alors, des œufs, une petite coquille, voilà. Voilà, on va couper. Pas trop de beurre. Voilà. Ajouter une petite poignée de fromage râpé, de la crème, un peu de poivre et un peu de sel. Rebattre le tout. Voilà. Et on ne va pas attendre que ça soit trop chaud, ni que le beurre soit. Alors il faut prendre une poêle pour que ce soit bien. Il faut prendre une poêle qui n'attache pas. Donc quand c'est bien chaud, on va faire cuire l'omelette comme si c'était des œufs brouillés en fait. C'est là où il y a le petit tour de main, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser, l'omelette se faire comme ça, eh ben, on va la pousser comme ça, tout doucement, de manière à ce que, en ramenant systématiquement, au fur et à mesure, on ramène ce qui est cuit. Voilà. Il faut bien la surveiller de manière à ce que dès qu'elle est assez cuite, hop, on arrête. Pour que ça reste, que ça soit cuit, mais juste.
prendre une spatule. Voilà. Encore 2 minutes. Et on le voit à la cuisson. On voit quand c'est bon. Là, ça va être pratiquement fini de cuire. On laisse un petit peu. Pas faire brûler. Voilà. L'omelette est finie. Voilà. Une jolie omelette. Prête à mettre dans les assiettes. Voilà qui est fini.